Les gars, je viens de penser à un truc. Ce serait pas ouf qu'on ait Big Flo dans Entre Mecs ? Flo, je suis très content de t'accueillir ici. Merci beaucoup. Parce que quand j'en ai parlé à un pote qui s'appelle Oumar, qui a une émission sur France TV Slash qui s'appelle Moonwalk, qui est un fan de Watt, oh, et qui a invité beaucoup de rappeurs, et je lui ai dit que tu venais dans Entre Mecs, il m'a dit il faut que t'écoutes absolument le son Florian. Oh, oh ouais. Et je l'ai envoyé au mec juste après, j'ai fait, oh, mais le gars, c'est, il a fait tout Entre Mecs en fait. C'est Entre Mecs pendant 6 minutes. C'est hallucinant. Ouais, c'est vrai, putain, ça fait plaisir. C'est pas les morceaux dont on nous parle le plus, sauf les gens qui connaissent vraiment bien Big Flo. Florian, je crois qu'elle fait 7 minutes de moi qui me plains. Et tu sais que moi, ça m'a parlé parce qu'on a fait un épisode qui est sorti où moi, je parle de mon retard de croissance, du fait que j'étais plus petit que tout le monde, que j'étais plus maigre que tout le monde, etc. Non, toi t'étais, on a rien vécu, arrête. Non, vraiment, j'ai écouté, j'ai fait, mais ce son devrait s'appeler Benjamin. Putain, il y a plein de gars comme ça qui, gros big up à tous les maigres de France, on est ensemble, on parle jamais de nous. C'est vrai. Pourtant, on existe. Trop bien. Et j'ai décidé d'être un peu sérieux dans cette vidéo, je vais essayer. Moins d'humour, moins de, tu vois, de frasques, on va dire, Big Flo vienne. Est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous êtes dit, putain, là, je suis en train de devenir adulte? Oh putain. Non, moi je pense que c'est la première fois que j'ai été au volant d'une bagnole. C'est débile, mais c'est un truc précis. Quand j'ai commencé à passer mon permis. En fait, c'est le truc où, pour moi, c'est tellement un truc de grand, de conduire. Et là, quand il y a la première fois, il y a la musique un peu qui passe dans ta tête. Entre mecs, tu conduis. J'ai décidé d'être un peu sérieux dans cette vidéo, je vais essayer. Mais ouais, quand tu conduis la première fois que t'as un volant, tu dis putain, je suis comme mon daron quoi. Oh non, je sais. Encore avant, la première fois où tu te rases, non? Il n'y a pas ce truc-là. Ouais, de ouf. Le premier, tu sais, parce que tu vois, moi je voyais beaucoup mon père se raser. Ouais. Et genre, je faisais semblant de me raser avec lui quand j'étais jeune. Tu sais, il me mettait le rasoir avec le bouchon. Trop mignon cette scène de film. Et je me mettais de la mousse et j'enlevais juste la mousse. Et la première fois où je me suis vraiment rasé, que les gens me font bah tu te rases. Je me suis dit putain, je deviens peut-être un peu adulte quoi. Mais c'est le début, hein, vraiment. La vraie fois où je me suis dit je deviens adulte, c'est quand les impôts m'ont dit voilà ce que vous nous devez. J'ai fait ah oui, ok, d'accord. Je suis un adulte. Je comprends les gens qui disaient oh, tu verras quand tu paieras des impôts. Je dois vous avouer que c'est la première fois que j'ai exercé le coït avec une fille, avec mes potes à côté dans le salon. Qui faisait... Quoi À côté, mais séparé par une porte, un mur et... Ah mais bien sûr. Ah voilà, voilà. Oui, pas à côté. Non, non. Et en sortant de la chambre, je me rappelle d'un... Oh, l'espèce de... C'est qui le... l'homme? Mais parce que... Qui, le... Par rapport à tes potes du coup? Qui t'ont regardé, qui savaient ce qui se passait? Oui, mais même en quittant la soirée, en étant vraiment moi avec moi-même, j'avais l'impression de, ok, waouh, j'ai exercé de l'amour. Non, moi, j'ai une réponse qui tue, là, ça y est, je l'ai trouvé. Wow. Le moment où on devient adulte, c'est où on se rend compte, alors il faut pas que je me la chie, où on se rend compte que nos parents n'en sont pas. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Pour moi, il y avait ce truc de l'adulte, c'est une espèce d'étiquette où à partir d'un certain âge, boum, t'es adulte et c'est autre chose. Et en fait, c'est quand tu grandis, tu vois tes parents et tu commences à voir leurs défauts, leurs problèmes, comment ils réagissent. Et tu dis putain, mais en fait, c'est juste des gens qui ont grandi quoi. Ouais. Ils sont juste plus vieux. Mais moi, je pensais qu'adulte, c'était un moment où t'avais vraiment un lot de réponses et de trucs qui étaient vraiment immuables. C'était genre un packaging adulte. Ouais. Comme s'il y avait un jour où tu te réveilles. Exact. Il n'y a pas ce soulagement. Il n'y a pas ce tampon. Ouais. On aimerait, hein. Qu'il y a un mec qui arrive un jour. C'est tard, obligé, il pleut. 4 heures, il fait bonjour monsieur, c'est juste pour vous dire que vous êtes officiellement un adulte. Veuillez signer, tac tac, il te met 3 tampons. Merci, au revoir. Et toi, tu fais à tout le monde. Et c'est le moment où j'ai dit, mais en fait, mes parents sont comme. Les parents, c'est juste des ados qui ont grandi. Et c'est là où tu te dis, ah merde. Et je pense que c'est peut-être là où tu deviens adulte. Elle est incroyable cette réponse. Et quand tu te rends compte de la vulnérabilité de tes parents, quand tu les désymbolises, quand tu vois leurs failles. Alors, moi, pas trop. Parce qu'en vrai, moi, j'ai eu toutes les failles de ma famille, c'est arrivé quand j'avais 7 ans, tu vois. Donc en vrai, tu vois, très tôt, je me suis dit, ah ok, donc les parents ne sont pas parfaits. Moi, c'est plus quand j'ai commencé à gagner de l'argent et que du coup, j'ai vu que mes parents me parlaient comme un adulte. Et je me suis dit, ah cool, tu sais, il n'y a plus un truc de. Deux, tu dépends encore de nous, quoi. Après, moi, je me considère pas comme adulte. Ok. Et je déteste ce mot. Et je déteste les adultes. Okay. C'est-à-dire que j'ai un problème avec ça. Les gens que j'appelle les adultes, c'est les gens qui pensent que tout est hyper sérieux, que tu peux pas, par exemple, moi j'ai un tatouage Pokémon et je collectionne aujourd'hui les cartes Pokémon et j'ai à la fois une société et les mecs, ils acceptent pas ça, quoi. C'est genre, non, mais t'es un adulte, quoi. Et ce côté-là, moi, ça me rend fou, je déteste ça. Genre, t'as des rendez-vous business, on t'a déjà fait sentir que t'étais un gamin? Non, le problème, c'est que j'arrive avec ma notoriété et tout. D'accord. Donc, quand t'es artiste et quand t'es connu, les gens, ils acceptent un peu. Okay. Mais je pense que si
j'aurais voulu faire un autre business ou quoi, les gens m'auraient regardé un peu de haut avec la casquette et ça et tout, ils ont dit c'est pas sérieux, ça fait pas adulte quoi. Et même des gens tu sais en soirée qui font non mais toi t'es pas vraiment mature quoi encore, tu vois. Ce côté de mature d'adulte, vraiment je déteste les gens comme ça. Devenir adulte pour moi c'est galvauder vraiment, je fais des choix qui ne viennent pas de moi, mais de ce que je pense que c'est devenir adulte, et je m'en contente et je m'autosuffis là-dedans. Et j'oublie l'enfant que j'étais, c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, il faut bien grandir. Et comme nous, tous les quatre, on est quand même dans des métiers créatifs, oui, aussi, est-ce qu'on n'est pas un peu obligé aussi de garder un peu le gamin qu'on était? Bien sûr, ça aide. Mais... quand tu deviens banquier, bon, tu peux au moins faire la folie tous les jours. Quoi. Régulièrement, je prends des douches. À chaque fois que je sors de la douche, souvent, je me regarde dans le miroir. Et je me dis, tiens, je suis en train de parler au gamin que j'étais avant. Quoi? Je fais ça en aussi. En l'imaginant, lui, il m'en regardait et se dire, tu fais la merde dans ta vie là en ce moment, ou le contraire. Est-ce que tu fais ça? C'est hyper profond, chaque fois que tu sors de la douche, mec. Non, pas à chaque le fois. Le mec, il se douche et à chaque fois, il attend, il sait qu'il va avoir lui. Il veut que ça dure, tu sais. Je vais pas le voir ce soir. Et là, il voit un petit qui fait. Mais juste. De me dire, tiens, si je pouvais me voir d'ici 20 ans quand j'étais petit, est-ce que je serais un peu content du parcours que je suis en train de prendre ou Je vois ce que tu veux dire dans ce truc-là de se comparer avec l'ancien. Ouais. Et là, par exemple, il y a pas longtemps, je me suis acheté une voiture de connard. Hein. Je me suis acheté une grosse bagnole parce que j'adore ça. Et je sais que quand je vais être dedans, le premier truc que je vais penser, je vais m'imaginer en train de... moi, mon ancien moi, voir la voiture et qui me fait « Pfff, tu connais ?» Et moi, je vais faire « comme ça. Donc, je compare souvent à ça. Est-ce que c'est devenu adulte? Je sais pas, mais... Est-ce que du coup, tu penses que t'as des comptes à rendre à l'enfant que t'as été? Ah, moi, 100%. Ouais. Je fais tout par rapport à ça. Mais moi, c'est de la vengeance quasiment. C'est même pas... Est-ce qu'on n'a pas tous ce truc-là? Sauf ceux qui étaient hyper stylés. Parce que eux, même, ils ont... Je me demande les gens parfaits là comme ça qu'on avait quand on était jeunes, qui étaient super classe et tout. Est-ce qu'ils ont des trucs souvent adultes, ils sont plus stylés du tout. Je pense pas. Moi, les gens qui me bolossaient au collège, c'est des gens qui. C'est des gens qui vont dire. T'inquiète pas, il y en a, ils sont toujours au top aussi. Il faut dire la vérité. Malheureusement, c'est pas immuable. T'as des mecs, c'était les beaux gosses, les sportifs et tout, et ils sont blindés, au top, famille qui tue, Insta, yeah. Et tu dis, non mais lui, il va s'en prendre une, tu vas voir, la roue va tourner. Pas du tout, il est au top du top. Matériellement, devenir adulte, c'est quand ton potager te nourrit toi-même, quoi. T'as pas besoin d'aller acheter. J'ai fait des clics là aussi, de me dire à un moment, j'ai eu mon taf, je sais, je commence à avoir une meuf, je prends une maison et tout, et je me suis dit, wow, en fait, j'ai pris le relais de mes parents, et là, maintenant, en fait, genre, c'est moi qui construis ma propre vie, tu vois. Ce moment, vraiment, j'étais en train de faire un barbecue dans mon jardin, et je fais. Putain, je suis en train de recréer une vie où... Et en plus, mon père m'a envoyé un message il y a pas longtemps en disant « Tu sais, mon fils, j'avais exactement ton âge quand je t'ai eu, tu vois. Je suis l'aîné de la famille, tu vois. » Moi, j'étais en mode « Alors, pardon, papa, mais c'est pas pour tout de suite. » Ok, tu vois. Mais vraiment, ça m'a mis un truc de... Putain, t'imagines, mon père, là, moi, c'est comme si je venais d'avoir un enfant, tu vois. Ouais, mais eux, ils ont mis la pression parce que la génération d'avant, ils nous ont eu tôt, hein, quand même. Putain, il y a des parents qui nous ont eu à 23, 24, c'était normal à l'époque, quoi. Ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué. Maintenant, on va vraiment dire que t'es hyper jeune jusqu'aux 30. Alors qu'avant, les mecs à 22, ils étaient déjà banquiers, barbus, deux enfants. C'est clair. On a quand même cette chance, ou en tout cas, c'est très particulier, je trouve, dans l'humanité. Ce truc-là où même jusqu'à 33, 35 ans, les mecs sont encore quand même de grands enfants, ou ont pas encore envie d'avoir des enfants et tout. Mais moi, il me tarde d'être père, tu vois. C'est un truc qui me tarde de fou, j'y pense beaucoup, tu vois. Je pense que si j'avais pas eu cette carrière ou ce quotidien où je suis en retard de ouf à tout, j'ai même pas le temps de caler des rendez-vous, je serais déjà père là aujourd'hui, je pense. Et tu commences à y penser déjà? Ah ouais, mais j'y pense depuis 3-4 ans déjà. Ah ouais? Là, t'as quel âge là? Là, j'ai 27. Ok. Et je pense, et en plus, j'ai pas envie d'être vieux père non plus. Ouais. Parce que c'est pas pareil, tu vois, j'ai envie que quand mon fils il est 17, on puisse quand même kiffer. Ouais. L'époque, je suis en mode, c'est quoi, tu vois. Celui qui a exprimé le mieux ce que je pensais à propos de la paternité, c'est un collègue à toi qui s'appelle Aurel San. Ouais. Qui disait, comment tu veux mettre un bébé dans les bras? J'ai déjà du mal à m'occuper de moi. Ouais, je vois. Est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous vous voyez? Une clope, devant un lycée. Putain, c'était très bizarre. Ah, des jeunes qui nous appellent monsieur. Ah ouais. Et en vrai, ça fait pas plaisir la première fois qu'on te dit ça. Non, ouais. Moi, j'ai kiffé, moi, je crois. C'est vrai? Ouais. C'était des fans, je crois. Okay. À la fin d'un concert. Monsieur, je peux avoir une photo? Je fais, monsieur, tu connais. Je t'ai dit, non, moi j'ai bien kiffé, moi. Parler, moi, en fait, c'est un truc que j'ai tellement, tu vois, dans le morceau Florian, être considéré comme un grand, entre guillemets, c'était quand même. Même si je suis pas pressé de grandir, c'était quand même quelque chose que j'attendais. Okay. Moi, j'ai une expérience où j'ai passé mon BAFA.
Je m'occupais d'enfants, j'avais 17 ans et j'avais vraiment une tête de... Vraiment, j'avais genre 13 ans pour les gens. Et je me souviendrai toute ma vie. Un petit, il m'a marqué à vie, il sait même pas, je sais même plus qui c'est. Et genre, tu sais, il fallait mettre les petits au réfectoire, un truc comme ça. Et je vais voir le petit, je lui dis « Allez, au réfectoire, s'il te plaît. » Le gars, il me regarde, il me fait « Mais toi, t'es pas un surveillant, toi ?» Je dis « Bah si, pourquoi ?»« Ben, t'es pas un adulte, on dirait pas. » Oh putain. Waouh. Il m'a souhaité, ouais. J'avais 17 ans, 18 ans, j'ai fait « Bon, ben, ciao. » Vraiment, c'est une problématique. Et le moment où les enfants te voient comme un adulte, ouais. Bon, c'est déjà un bon indicateur quand même. Moi, il m'est arrivé un truc comme ça, parce qu'en fait, moi, je donnais des cours à des masters. Et genre, je sortais de master, quoi. Donc, et je suis vraiment plus jeune que mon âge. Ouais. Et je vais chercher la feuille d'émargement. Et je lui dis « Bah voilà, c'est pour telle classe. » Et mon regard, il fait « Non, mais en fait, c'est le professeur qui doit venir. Vous avez pas à apprendre et tout. » Et j'ai eu un espèce de truc d'humiliation. Et en fait, je suis passé de « C'est humiliant, ça me fait mal » à « Ok, là, la phrase qui va sortir, là, elle est pour what, tu vois ?» Et j'ai fait « C'est moi le professeur. » Ah, lourd. Et là, j'ai vu qu'elle a commencé à suer. Elle fait « Ah, pardon, parce que bon, vous avez l'air jeune et tout. » Je fais « J'ai 48 ans. » Non, j'ai pas dit ça. Mais ouais, et tu sais, c'est là que tu dis « Putain, mais en fait, c'est... t'es entre deux, tu vois. » Il y a un moment où t'as les responsabilités et t'as l'impression que physiquement, tu fais pas adulte du tout. Ah. Et vraiment, moi, c'est pour ça qu'après, les autres fois où on a commencé à m'appeler monsieur, j'ai fait « Ok, c'est bon. » Ça veut dire que visuellement, on commence à voir que je fais mon âge, quoi. C'est vrai, vous, c'est... Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un côté physique. Sur le fait qu'on vous prenne pas comme des adultes, et moi au contraire ça va, enfin c'est bizarre, ouais, deux têtes de bizarre plus, c'est le mec qui s'étonne. Moi bizarrement je suis hyper grand, barbu, hyper poilu. Moi je comprends pas, je fais 2 mètres, je comprends pas vos problématiques les gars. Mais non, et moi ça c'est pas grave, c'est similaire. Bah si, mais pas vis-à-vis de mes choix. Première fois que j'ai dit je vais faire du théâtre, je vais faire du cinéma, du machin, on dit d'accord, donc t'as 14 ans et demi, tu vas faire une activité extrascolaire, c'est ça. Mais ton métier, sinon tu veux faire quoi en fait? Moi j'ai encore des gens aujourd'hui, en soirée, dis ce que tu fais. Je suis quand même bon, je suis quand même Big Flo de Big Flo Lee, c'est quand même un truc connu. Merde. Et les gars me connaissent, ils disent putain ça cartonne, voilà. Fais des zéniths et tout. Ils ont toujours des clubs, mes persos. Ouais. Et je dis, ouais, ouais. Et le gars me fait, mais sinon, à côté, tu fais quoi pour vivre? Si, ça m'arrive encore aujourd'hui. Impossible, c'est pas un c'est exprès. Et je lui dis, non, je vois de la sincérité. C'est même pas de l'acidité méchante. Ouais, voilà. Même, ça m'arrivait quand je draguais des meufs à l'époque et tout. À l'époque. Quand je draguais des meufs, les meufs me disaient, ouais, mais en fait, c'est quoi vraiment? Tu arrives à en vivre? Sincèrement, je me demande ça. Toto, t'es un gros fan de Lego, tu le mets souvent en story. La honte, le gamin, quoi. Hey, grandis un peu! Est-ce qu'il y a un truc qui a une correspondance? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, putain, merde, c'est pas un... On t'a fait sentir que c'était pas un truc d'adulte? Non, c'est même un truc que je... Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai depuis... Ouais, maintenant je le revendique de ouf, en fait. Mais en fait, ça me fait kiffer, en fait, de faire des Lego et d'en avoir plein dans mon salon et d'acheter toujours des plus gros. Et... Mais en fait, maintenant, c'est devenu presque... Non, c'est mon père qui continue de me les offrir à Noël ou à mon anniversaire. C'est vraiment le petit truc de l'enfance qui fait plaisir. Mais souvent, les gens qui te font remarquer des trucs comme ça, c'est des gens qui eux-mêmes sont pas vraiment à l'aise avec leur adulte. Ouais. Moi, par exemple, je collectionne les cartes Pokémon. Ouais. Je suis à fond sur ça. Et je vois très bien, il y a deux types de personnes. Ah bon, il y a les gens qui font « Oh mais c'est génial, mais c'est quoi cette carte ?» Ils sont à fond et machin. Et il y a ceux qui font « Non mais Flo, toi t'es... » Et en général, ceux qui disent ça, c'est que eux-mêmes, ils se sentent pas encore 100% adultes. J'ai l'impression que devenir adulte, au final, c'est assumer tout, en fait, au final. Ouais. C'est-à-dire, ok, j'aime les cartes Pokémon, je l'assume, et puis si t'aimes pas, tant pis, quoi. Ouais. Au final, je m'en fous. Moi, je vois tous ceux qui m'ont jugé quand je me suis lancé sur YouTube, c'est que des gens qui étaient dans des métiers où ils sont pas à l'aise et où c'était pas leur propre choix, etc. C'est vrai. Mais en fait, parce que tu deviens chiant à ce moment-là. Tu sais pourquoi? Moi, je fais un truc, je fais des études. Je mets des solidarités. Parce que t'es une merde, mon pote, ok? Non, moi je fais des études que j'aime pas. Je fais un taf que j'aime pas, je chope un CD que j'aime pas. Tout ça dans l'idée d'être adulte. Et toi, tu vas me dire que tu fais un truc qui te fait kiffer. T'es pas adulte, non mais c'est bon. On s'est vachement quand même arrêté à des valeurs factuelles ou matérielles. Quel moment, quel truc, quel symbole, genre se raser, la thune. Mais au final, en termes d'indépendance. Pas uniquement financière, mais affective, émotionnelle. Quand est-ce que tu coupes réellement le cordon? Je sais que, par exemple, moi, il y a des choses qui m'ont donné de l'indépendance. Partir loin de mes parents pendant mes études, l'internat, même plus jeune, raser, etc. Mais genre, et tu le disais au tout début, disant, ce moment où tu comprends que tes parents sont des gens et pas juste des parents, cette espèce de symbole immuable. Moi, c'est le divorce de mes parents. Où, en fait, j'ai vu tout s'écrouler, en fait, sous mes yeux. Et où tu dis...
ah oui, en fait, c'est pas cette espèce de doux rêve, c'est la réalité. Mes parents sont des gens, et là, je me suis senti vraiment adulte, quoi. Genre, je me suis dit, en fait, maintenant, c'est toi pour toi. C'est pour ça que les gens qui ont une enfance difficile, à mes yeux, deviennent quand même adultes plus tôt, parce qu'ils sont obligés de se créer cette propre indépendance pour se protéger du déséquilibre qu'il y a dans leur famille. Et est-ce que finalement, on n'est pas en train de... Parce que moi aussi, par exemple, j'ai divorcé très tôt. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'arracher notre enfance, qu'on n'a pas vraiment eu, parce qu'on a... Après, moi, j'avais 23 ans quand mes parents ont divorcé. Mais, 12 ans mais j'étais encore un gamin, je pense, dans ma tête à ce moment-là. Quoi. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'adulte. Ah ouais, c'est théorie du complot en fait. Non, je pense réellement que les concept d'adulte, c'est un concept établi par les personnes plus âgées pour marquer une différence avec les plus jeunes en disant quand t'es adulte, c'est vraiment non, tu verras quand tu seras grand, tu n'as pas le droit à ça parce que hyper frustrant. Et le bac, je l'ai eu, c'est pour vous que je le fais. J'ai écrit un immense tube sur ce. J'ai décidé d'être un peu sérieux dans cette vidéo. J'ai écrit un son sur ce sujet qui s'appelle Plus tard, où le refrain c'est tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Et justement, cette chanson qui peut paraître un peu comptine et tout, au final elle est importante. On l'a écrite avec Oulé en se disant putain, là on est censé être des adultes et je le vois pas en fait, cette espèce de gap. Quand t'es ado et que tu dis je vais avoir 18 ans, 18 ans normalement t'es adulte, tu vois. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait vas-y, je suis pas adulte. Et je voyais les gens qui avaient 30 ans, je fais ok, là je serai adulte à 30 ans. Et là on va avoir tous 30 ans bientôt là. Et je me sens pas du tout adulte. Hein. Quand tu vois nos exemples, des mecs qui ont 30 ans, tu vois des Aurel San, des Kian Kojandi qui sont des mecs qui ont été nos grands frères et qui sont encore aujourd'hui et qui te disent bah, salut, j'ai 37 et pour moi je suis toujours pas encore. C'est clair. Tu dis bah putain, c'est un long chemin quoi. C'est peut-être qu'on est déjà. C'est peut-être se poser la question. C'est peut-être à partir du moment où tu te dis mais est-ce que je suis vraiment un adulte, est-ce que je... Et c'est peut-être ça aussi de devenir adulte. Complètement. Ouais. Autour d'une table ronde par exemple. Ouais. Devant des caméras. Abonnez-vous. Moi, la première galoche, c'était avec une meuf. C'est mieux de couper court direct et après tu fais ce que tu veux en fait, tu vois. C'était vraiment une orgie de bisous. Vous gardez un bon souvenir la première fois.